À tous, merci d'être si nombreux. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui 0AD, qui est un jeu de stratégie libre open source dont vous avez peut-être ou peut-être pas entendu parler. Et donc je vais vous présenter le jeu, vous parler de ce qu'on fait en ce moment, sur quoi on travaille, et surtout de comment faire mûrir le design d'un jeu tel que 0AD, qui est développé de manière libre open source. Comment arriver à quelque chose à la fin qui est cohérent, qui a une certaine patte, une certaine marque de fabrique, et comment faire avancer le projet après tant d'années de développement, ce que je vais détailler dans cette présentation. D'abord, qu'est-ce que 0AD, si vous ne connaissez pas? Donc ça, c'est une capture d'écran du jeu. 0AD, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Vous avez peut-être joué à des jeux propriétaires de ce type comme Age of Empires ou Empire Earth à l'époque. Donc l'idée, c'est que vous avez une base militaire que vous avez développée. Donc ici sur cette capture d'écran, vous avez le centre de la base, le forum, autour des champs, des bâtiments de défense, des bâtiments économiques, des bâtiments militaires. Vous devez développer cette base pendant que vos ennemis et éventuellement vos alliés construisent la leur également, et vous devez donc lever une armée et surpasser vos adversaires et avoir la suprématie sur la carte du jeu. C'est aussi un jeu qui se passe à une époque historique précise, c'est un jeu qui se déroule dans l'Antiquité et dans lequel vous pouvez prendre le contrôle de différentes factions, différentes civilisations qui ont existé entre moins 500 et alors donc 0AD en anglais, 0 après Jésus-Christ, qui est une date qui n'existe pas. Le calendrier grégorien va de moins 1 à 1. 0AD, c'est une date qui n'existe pas vraiment, à laquelle vous pouvez vous transporter pour jouer avec les civilisations de l'Antiquité et vous amuser en 2017 sur vos ordinateurs. Et surtout, c'est un jeu qui est déjà bien développé et entièrement jouable. Je ne vous parle pas là d'un projet fou qu'on a, mais plutôt d'un projet fou qu'on a eu et qui s'est réalisé. Et on a voilà un jeu qui est parfaitement fonctionnel, avec énormément de fonctionnalités, qui est mis à jour régulièrement. On a une communauté très active, une équipe de développement très active dont je vais parler un peu plus ensuite. Et vous pouvez y jouer n'importe où. Sur Windows, Linux, Mac, parfois BSD, si vous, enfin, ça fonctionne. On a même un port pour Android qui fonctionne en théorie, mais pour lequel c'est pas optimisé. Donc même si vous avez une bonne tablette ou appareil sous Android ou autre, vous allez avoir du mal, mais c'est possible. C'est un jeu qui est extrêmement mûr et utilisable de la même façon qu'un jeu commercial. Alors par exemple, on a, si vous voulez jouer en solo, une IA qui est très développée et très robuste, même très difficile à battre pour les débutants, mais on y arrive à la fin. Donc ici j'ai une capture d'écran d'une partie où 4 IA ont joué l'une contre l'autre, pour 4 civilisations différentes. Donc c'est un peu petit ici, mais vous avez les Perses, les Romains, les Carthaginois et les Ptolémées. Donc cette IA fonctionne et ça vous permet de jouer en solo, mais évidemment vous pouvez aussi jouer entre amis sur réseau local ou sur internet, puisqu'on a un hall multijoueur sur lequel vous pouvez rencontrer des gens, trouver des adversaires à votre taille ou pas, et vous amuser comme ça entre amis ou avec des inconnus. Vous avez aussi des fonctionnalités très développées sur le mode multijoueur, qui est celui sur lequel on s'est focalisé, disons, ces dernières années. Donc, comme je l'ai dit, on a un hall. Pour la dernière version du jeu, on a la possibilité de se connecter comme ça sur Internet sans avoir à bidouiller votre routeur pour faire du routage de port sur votre machine. Si ce que je vous dis, c'est du chinois, ne vous inquiétez pas, ça a été le cas pour beaucoup de joueurs qui étaient très frustrés de ne pas pouvoir jouer sans avoir un minimum de connaissances techniques. Mais maintenant c'est réglé, vous avez juste à aller sur le home multijoueur, à cliquer, normalement ça marche. Vous pouvez aussi vous connecter directement par IP, si vous avez des configurations un peu particulières, bref, tout est possible. Plein d'autres fonctionnalités en multijoueur, la plus importante et la plus originale, c'est quelque chose que vous trouvez même pas parfois dans des jeux commerciaux,
C'est que vous pouvez rejoindre une partie en cours ou même la re-rejoindre si vous avez été déconnecté à cause de votre connexion. Ça va en théorie fonctionner, ça fonctionne 90% du temps. Plein d'autres choses, des vidéos, vous pouvez faire des replays de vos parties en solo ou en multijoueur et les partager. Un mode observation, vous pouvez rejoindre une partie multijoueur sans jouer, juste regarder vos amis jouer. Alors, un système évidemment de discussion instantanée, un classement basé sur le système Elo des échecs pour le hall multijoueur, des amis et bien plus encore. Et si vous voulez en savoir plus, il y a en ce moment une LAN party avec des jeux libres qui est organisée. Je pense que 0AD y est présent et demain après-midi on fera un atelier pour découvrir et jouer ensemble au jeu. Une autre particularité du jeu au niveau fonctionnalité déjà bien avancée, c'est la gestion des mods, c'est-à-dire des modifications du jeu faites par la communauté. Notre jeu, on le développe entièrement nous-mêmes de A à Z, donc on a un moteur écrit en C++ sur lequel on fait tourner le jeu et le gameplay, le contenu du jeu, est écrit essentiellement en JavaScript. Donc c'est quelque chose de facilement modifiable sans avoir à recompiler le jeu ou faire des trucs compliqués. Vous pouvez juste aller fouiller dans les fichiers du jeu, modifier des trucs et faire des choses. Donc on a énormément de modes qui sont déjà bien avancés, qui existent pour le jeu. Ça c'est un des modes historiques de 0AD qui s'appelle Rise of the East, dans lequel la faction des Chinois Han a été ajoutée au jeu. Donc c'est essentiellement des modifications graphiques, des nouveaux bâtiments, des nouvelles unités, un arbre de technologie fait particulièrement pour les HAL. Et en ce moment, on a un groupe de modeurs sur le forum qui est particulièrement actif. Un modeur seul qui a proposé une idée de mode futuriste, science-fiction, qui n'a pas abouti, mais sur lequel il a conçu quelques bâtiments, quelques décors, qui sont assez impressionnants et qui rendent très bien avec notre moteur graphique. Puis je rappelle, donc, tout ça, on le développe nous-mêmes, y compris le système graphique. Et en ce moment, un projet qui est très abouti et très développé, c'est un mode sur le thème de l'univers de Zelda, que je ne connais pas beaucoup personnellement, donc ne pas poser de questions là-dessus. Mais s'il y a déjà deux factions qui sont prêtes, ils utilisent vraiment à fond les possibilités du moteur, pour, par exemple faire des unités amphibies, des unités volantes, des unités qui peuvent emporter d'autres. Vraiment, le jeu 0AD n'utilise pas forcément tout ça, parce que par exemple, on n'a pas de tank dans l'Antiquité, donc on ne va pas avoir de ce genre d'unité. Mais le moteur les supporte et vous pouvez les ajouter et ça va fonctionner très bien. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité qui amène un peu 0AD au niveau des jeux commerciaux AAA les plus développés. Et on a encore quelques nouveautés au niveau des fonctionnalités qui sont à prévoir. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit qu'on considère que le jeu est encore en alpha, parce que il est jouable, d'accord, mais ça ne doit pas vous... Bon, alpha ne doit pas vous rebuter, c'est juste qu'on ajoute des fonctionnalités régulièrement et donc tout peut potentiellement casser, même si les sorties régulières qu'on fait sont très stables et fonctionnent sans souci. En particulier, le teasing du moment, c'est les campagnes solo historiques qui sont quelque chose de vraiment nécessaire pour avoir un jeu qui peut vraiment amener énormément de nouveaux joueurs et passionner tout un chacun. Les campagnes solo, donc, c'est quelque chose dont on rêve depuis toujours, quelque chose qu'on s'était dit qu'on ne ferait sûrement pas. Et puis finalement, on arrive à un point du développement où on n'a plus grand-chose à rajouter pour avoir un jeu complet, et ça nous manque énormément, tout le monde nous le demande. Nous aussi, on en rêve, donc on va le faire. Et dans les prochains mois, on devrait avoir un système fonctionnel qui nous permettra de faire une première campagne, on va dire, pour tester la fonctionnalité, qui sera un vrai tutoriel du jeu. Il y a un nouveau tutoriel pour apprendre à développer sa base au niveau économique qui a été ajouté à la dernière version du jeu, et on va pouvoir intégrer ça et rajouter d'autres tutoriels pour apprendre à combattre, pour apprendre d'autres techniques spécifiques au jeu dans ce système de campagne solo. Et ensuite, eh bien, il faudra créer, on va dire, inventer une histoire autour de laquelle on pourra créer une campagne pour ravir tous les joueurs et joueuses et vous faire revivre vraiment l'histoire dans 0AD. Donc comme je l'ai dit, on est en version alpha, mais on a quand même un objectif qui est une sortie. On n'a pas,
on n'a pas un système de développement comme beaucoup de projets libres où on continue à améliorer ad vitam aeternam, même si ça fait longtemps qu'on est en développement, on a quand même un objectif précis qui est une sortie du jeu à un moment. Donc pour l'instant, on est en effet dans les versions alpha, qui sont jouables, qui sont de plus en plus stables, il y a de moins en moins de bugs vraiment évidents qui touchent beaucoup de monde, il y en a toujours évidemment, mais on a corrigé les plus visibles. On continue à améliorer les performances et surtout, on rajoute des fonctionnalités qui peuvent potentiellement changer radicalement la façon dont les gens voient le jeu, par exemple si on rajoute des campagnes solo historiques. L'étape suivante, passer en bêta, c'est-à-dire ne plus rajouter de fonctionnalités, se concentrer sur la résolution des bugs et l'amélioration des performances, avec potentiellement des sorties extrêmement fréquentes, un système de continuous delivery, de génération à la volée de packages du jeu qui seront distribués juste à moi, par exemple, toutes les deux semaines ou tous les mois, pour voir l'avancée en direct. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra éventuellement se tourner vers des plateformes de distribution du jeu plus grand public. Tout le monde nous demande Steam. Steam, ça a ses problèmes, surtout dans la communauté du libre. Mais globalement, l'idée, c'est voilà, de se tourner vers un public plus mainstream. Parce que actuellement, même si tout le monde nous dit votre jeu est génial, il est presque fini, vous ne devriez pas le présenter comme alpha. Si on se tourne vers la communauté beaucoup plus large des gamers et des gameuses, on a la crainte d'être épinglé sur des choses qui nous manquent, qu'on sait qu'ils nous manquent et qu'on va résoudre, qu'on va mettre en place, par exemple les campagnes solo, et on ne voudrait pas que ça nous handicape avant de passer en bêta. Et une fois que cette version bêta sera bien stable, bien testée, bien rodée, on sortira 0AD pour de bon. Et on espère que ça sera un succès qui fera date dans l'histoire de la communauté du libre, mais aussi du jeu vidéo de stratégie. Alors, je l'ai dit en filigrane un peu depuis le début, mais 0AD c'est surtout un jeu qui est libre, gratuit, open source, multiplateforme, il fonctionne partout. Au niveau plus précisément au niveau des licences, le code est en GNU/GPL. Et tout l'art du jeu est distribué sous licence Creative Commons. Donc, plus précisément, by SA, donc vous pouvez utiliser tout l'art du jeu tant que vous dites que ça vient de nous et que vous le repartagez sous la même licence. Et donc, multiplateforme, il fonctionne parfaitement sous Windows, Linux et Mac. Normalement, il devrait marcher sous BSD et ensuite vous pouvez essayer de bidouiller pour le faire marcher ailleurs. Ça peut peut-être marcher. Donc l'art dont je parlais à l'instant et dont j'ai pas beaucoup parlé depuis le début, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est ce pourquoi on est un peu connu dans la communauté du livre. C'est qu'on a des graphismes et aussi une musique, une bande originale. Qui fait pâlir d'envie beaucoup de projets libres où la majeure partie de la communauté est plus tournée vers la programmation et le développement. Nous, on a aussi réussi à fédérer une communauté d'enthousiastes qui a des très solides compétences en art, au niveau artistique, et qui nous amène un jeu qui est clairement au niveau des standards de l'industrie, avec éventuellement quelques années de retard évidemment, mais toujours quelque chose qui est beau, agréable à regarder. Pour vous donner une idée donc, de ce qui se passe quand ce n'est pas un diaporama statique et quand il y a la musique du jeu, je vous propose de regarder le trailer de la dernière version du jeu qui est sorti en fin juillet dernier et dans lequel vous allez pouvoir voir plusieurs fonctionnalités nouvelles et puis découvrir un peu 0AD.
Voilà, donc tout ça, c'était des images du jeu vraiment prises en direct sans traitement ensuite. Et la musique originale du jeu, donc la musique que vous avez entendue, c'est une nouvelle piste qui a été ajoutée par notre compositeur pour la dernière version. Et donc vous avez pu voir plusieurs nouvelles fonctionnalités, donc qui ne vous parlent pas selon que vous êtes familier du genre. Donc voilà le trailer. Et d'autres nouveautés qui n'ont pas été mises, donc, dont je parlais tout à l'heure, le tutoriel pour l'économie. On vous apprend à gérer les unités du jeu. Et surtout, ce qui a été montré très rapidement et ce qui a donné son nom à la nouvelle version, c'est toutes les nouveautés au niveau artistique. Donc avec des nouveaux modèles pour les bâtiments, pour la construction et la démolition, comme vous l'avez vu dans le trailer, des bâtiments. Donc des nouveautés comme ça. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez juste les fondations au sol et le bâtiment qui sortait du sol. Là, il y a vraiment des échafaudages qui se mettent en place autour du bâtiment pendant sa construction. Les fissures sur les bâtiments quand ils sont détruits. Et surtout, des nouveaux modèles d'unités qui avaient bien besoin d'un lifting, puisque ça faisait très longtemps qu'on avait les unités dans le jeu et qu'elles étaient plus simplistes, on va dire, que nécessaires. Et chef du département artistique de l'équipe a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs années pour avoir des nouveaux modèles d'unités qui sont presque terminés, c'est-à-dire nous manquons juste des chevaux, des animations pour les chevaux qui sont modélisés mais pas animés. Donc on a ces nouveaux modèles d'unités, ces nouvelles animations. Donc ici vous avez un lancier romain. Vous avez ici des unités grecques. Et des unités celtes qui sont donc nouvelles et qui ont été ajoutées à cette dernière version avec plein de nouvelles animations, en particulier des animations pour la capture des bâtiments, qui est une fonctionnalité qu'on avait depuis à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas, 2-3 ans, et pour lesquelles les unités n'avaient pas d'animation, et donc ça perturbait beaucoup les joueurs qui ne savaient pas ce que les unités étaient en train de faire. Ces animations et ces nouvelles unités ont été bienvenues et ont vraiment donné un nouveau coup de jeune à la façon dont nous et les joueurs percevons le jeu. Alors, comment on en est arrivé là, à ce niveau de développement, surtout pour un projet libre et open source, pour lequel, voilà, en général, on n'a pas ce niveau, surtout graphique, artistique, là. Donc l'histoire de ZeroAD remonte quand même à très longtemps, c'est-à-dire que ça a commencé au début des années 2000, quand un groupe de modders, justement, a créé un mode pour Age of Empires 2 qui remettait les civilisations grecques et romaines qui venaient d'Age of Empires 1, donc dans la deuxième version de la série, le deuxième opus de la série. Et ce mode a eu un succès vraiment énorme dans la communauté à l'époque. Et très vite, les développeurs du mode se sont rendus compte qu'ils étaient un peu limités dans ce qu'ils voulaient faire avec ça. Et ils se sont dit, on va essayer de créer notre propre jeu, notre propre moteur de jeu. Et on va le distribuer gratuitement, puisque c'est quelque chose qu'on fait bénévolement. On va distribuer gratuitement ce jeu à la fin. En revanche, ils ont travaillé en équipe fermée, cette communauté. Voilà, il y a eu énormément de gens qui sont arrivés pour travailler à ça. Et le développement a été lancé en 2003 et a continué pendant plusieurs années, mais a fini par s'arrêter, faute de motivation nécessaire et la vraie vie des différents bénévoles qui s'est interposée. Le développement a beaucoup ralenti et en 2009, l'équipe a décidé d'ouvrir le jeu et de le rendre libre et open source. Et depuis, on développe comme ça sur ce modèle. Ça nous a amené des contributeurs, contributrices de partout dans le monde qui ont aidé à façonner le jeu. Et ça a aussi étendu notre communauté d'enthousiastes. Qui peuvent, voilà, jouer au jeu sur n'importe quelle plateforme pour absolument 0€ et avec des nouvelles versions qui sortent régulièrement.
Pour ceux qui m'ont vu l'année dernière, et que je reconnais plus ou moins puisque j'ai vu beaucoup de gens l'année dernière, je vais vous parler rapidement de ce qu'on a fait depuis ma dernière présentation, parce que pour l'instant, à part la dernière version du jeu, je ne vous ai pas appris grand-chose de nouveau. Je vous avais parlé l'année dernière de l'idée d'améliorer notre environnement de développement en utilisant de manière plus importante le système de gestion de version Git à la place de Subversion qu'on utilise. Et en fait, cette idée s'est transformée en autre chose, c'est-à-dire plutôt que de travailler, on travaillait donc avec directement des patchs qu'on s'envoyait, qu'on relisait, qu'on intégrait. On a décidé d'utiliser Fabricator, qui est un système open source de gestion de développement de projet, qui nous permet en fait d'avoir des fonctionnalités à la GitHub, GitLab, avec un système qui est très proche de pull requests, même pour des dépôts subversion. Donc une facilité pour relire les patchs, pour les intégrer, qui nous a énormément aidé, qui a débloqué, on va dire, le développement dans l'équipe de programmation, et qu'on continue à affiner, à peaufiner en rajoutant de l'intégration continue avec Jenkins pour tester les patchs au fur et à mesure qu'ils arrivent, du linting pour vérifier le code au fur et à mesure qu'il est proposé, pour éviter d'avoir des montagnes de corrections à faire à chaque fois qu'une nouveauté arrive dans le jeu pour prévoir un peu plus en amont. On a donc cette version alpha qui a pris du retard et qui est sortie seulement en juillet, alors que la précédente était en novembre, justement à cause de la mise en place de ce nouveau système de gestion des patchs. On a accueilli de nouveaux contributeurs dans l'équipe et on a évidemment avancé sur plusieurs fronts. Donc depuis la version 22, on a aussi des nouveaux bâtiments pour la faction des Spartiates, qui donne aussi un peu une petite différence entre les Spartiates et les Athéniens qui étaient graphiquement très proches jusqu'à maintenant. Et on a continué à travailler sur les nombreux bugs qu'on a, la performance du jeu qui peut toujours être améliorée. Et ça continue toujours aussi bien. Alors, le développement d'un jeu libre, ça a des avantages et aussi des inconvénients. Les inconvénients sont les inconvénients habituels de l'open source, c'est-à-dire qu'on a peu de contributeurs ou contributrices, peu de temps libre, peu de moyens de manière générale, mais d'un autre côté, on est libre dans tous les sens du terme. On a le bonheur de travailler sur ce projet qui est un projet entièrement bénévole. On a une liberté entière de faire ce qu'on a envie de notre jeu et on n'a aucune pression de l'extérieur. Et puis en plus, on a une communauté très, très enthousiaste et très compréhensive qui sait très bien que c'est quelque chose d'entièrement bénévole et qui nous aide autant qu'elle peut. Pour le développement au niveau programmation et au niveau artistique, on a des outils libres et on a un processus de développement qui est commun aux différents projets libres d'open source que vous pouvez connaître. Par contre, un obstacle qui est assez important et qui, pareil, est trouvé dans d'autres logiciels libres, c'est le problème, excusez-moi, du design. C'est-à-dire que quand vous avez un développement fermé, vous avez une équipe soudée avec une idée précise de ce que c'est que le produit fini qui doit être obtenu. Quand vous avez un développement qui est complètement ouvert, il y a parfois des gens arrivent avec des idées excellentes, ils arrivent même avec un patch qui implémente cette idée excellente, mais on ne peut pas tout accepter, faute de voir à la fin un jeu avec énormément de choses qui partent dans tous les sens et qui ne plaît plus vraiment à personne en particulier, parce qu'il y a toujours quelque chose qui dérange chaque personne qui regarde le jeu et qui essaie d'y jouer. Donc on a cette difficulté d'accepter des idées même très bonnes, on a cette difficulté de faire quelque chose de ces idées, et globalement quand on a une proposition qui est trop portée sur le design du jeu et qui pourrait beaucoup trop changer la façon dont les gens voient le jeu, et la plupart du temps, cette idée, on est obligé de l'ignorer, de la laisser en plan, et le design du jeu n'évolue pas beaucoup. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était implémenter des choses qui avaient été imaginées par l'équipe au tout début
en 2003, des choses qui étaient attendues depuis 10 ans, qui arrivaient finalement, qu'on arrivait à intégrer dans le jeu, mais toutes les nouvelles idées, on a du mal à les intégrer, et donc on a du mal à intéresser des nouvelles personnes pour participer à la construction du jeu. Donc c'est la chose sur laquelle on va se focaliser. Le design de Zero ID, il est particulier, il est proche de celui d'un jeu comme Age of Empires, mais il y a des particularités du jeu qu'il faut qu'on gère, qu'il faut qu'on équilibre, qu'il faut qu'on mette en place, et qu'on doit surtout mettre en valeur pour ne pas avoir l'air d'être un simple clone libre d'Age of Empires. Beaucoup de gens arrivent et nous disent « ça c'est en trop, ça manque », toujours par rapport à Age of Empires, et nous on aimerait bien voir notre identité à nous, et ça passe par un design qui est clair et assumé, et qui n'est pas ébranlé par toutes les propositions qui nous arrivent de droite et de gauche. Nos particularités au niveau du design, ce qui fait notre originalité, c'est le système de formation d'unités, puisqu'on aimerait, ou l'idée de départ c'était d'avoir un jeu qui ne ressemble pas à Age of Empires avec plein d'unités qui se massent et qui se tapent dessus, mais plutôt quelque chose d'esthétiquement intéressant et aussi historiquement intéressant, avec un système de combat qui se rapproche du combat de l'Antiquité en formation, en ligne de bataille. Quelque chose qui nous situerait un peu à mi-chemin entre Age of Empires et un Total War. Et on a un système donc, de capture des bâtiments. Les bâtiments ne sont pas détruits par l'infanterie, puisque ce n'est pas réaliste. Les armes de siège ou les éléphants qui peuvent détruire les bâtiments, mais les unités essaient de les capturer. Un système de territoire qui correspond à votre zone de contrôle de la carte. Les soldats sont des citoyens-soldats, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi récolter des ressources. Voilà, on a eu des propositions sur le fonctionnement de l'agriculture. Est-ce qu'on peut élever des animaux? Comment? De quelle façon? Comment on peut équilibrer ça? Plein de discussions là-dessus. On a des auras, c'est-à-dire des effets de certaines unités quand elles sont proches d'autres unités. Bref, on a énormément de choses qui nous sont propres, qu'on veut entretenir. Et on ne veut pas avoir soit à les abandonner parce qu'on ne sait pas quoi en faire, soit continuer à en rajouter, ce qui ferait un espèce de jeu protéiforme avec un peu de tout, mais pas vraiment d'esprit particulier à Zero ID. Donc voilà, on est un peu entre ces deux trucs-là. Donc, pour résoudre ce problème, on va essayer de se focaliser là-dessus, ou je vais essayer de faire en sorte que l'équipe se focalise dessus dans les mois à venir pour résoudre ce problème. Donc pour résumer tout ce que je vous ai dit, on a deux situations bien différentes qui sont soit quelqu'un propose un patch du code, auquel cas on peut l'intégrer ou pas, ça va dépendre de si ça change trop de choses au jeu, ou alors les gens ont une idée. Et donc là, on peut dire oui, c'est intéressant, mais on n'a personne qui est intéressé par l'implémenter. Et on n'est pas sûr que ça va intéresser tout le monde, donc on ne va peut-être pas passer du temps là-dessus. Ces deux possibilités, elles arrivent sur deux sites différents, c'est-à-dire sur les forums, les gens discutent, ont des idées, proposent des choses. Et sur nos bug trackers, puisque maintenant on a notre bug tracker historique et Fabricator sur lequel on a les patchs. Sur nos bug trackers, on a des propositions sous forme de code, et les gens qui relisent le code, les programmeurs, ne sont pas forcément, n'ont pas forcément d'opinion, de point de vue sur le design du jeu, et sur comment le jeu pourrait fonctionner et être intéressant. Donc globalement, la seule chose qui marche pour que quelque chose aille dans le jeu, c'est quand quelque chose est sur les bug trackers, mais il arrive aussi qu'on dise « c'est trop borderline », on met un mot-clé « design » pour dire « on va en discuter un jour » et on n'en discute jamais. La seule chose qui marche et qui a marché, c'est notre design document historique, c'est-à-dire qui a été fait en 2003, qui a pris différentes formes. Au début, c'était en espèce de site en HTML, ensuite ça a été mis sur nos forums privés, ensuite ça a été mis sur notre wiki, mais il n'est pas à jour, il ne correspond pas à l'état du jeu actuel. C'est un peu un succès d'année de ce qui a été imaginé au début, et ça donne une direction à 0AD, ça a donné une direction à 0AD jusqu'à maintenant, mais maintenant on ne peut pas utiliser ce design document pour aller plus loin, parce qu'on ne sait pas comment le modifier et l'améliorer. Mon idée, l'idée qu'on va poursuivre, c'est celle de remettre le design document au centre du développement du design de 0AD.
Donc en ayant un design document qui est à jour ou qui tente d'être par rapport au jeu et qui est modifiable. À terme, l'idée d'avoir un design document terminé, final, qui peut être lu par les programmeurs pour dire oui, ce patch est conforme à l'idée qu'on a du design, on peut l'accepter. Ou tiens, il manque cette idée qui est dans le design document, elle n'est pas dans le jeu, je vais essayer de l'implémenter. L'idée, c'est voilà, d'avoir ce design document qui est mis à jour et qui est créé à partir de nos discussions en interne avec la communauté sur nos forums. Et ensuite, design document peut être utilisé par les programmeurs sur les bug trackers pour amener le jeu à un niveau où on veut qu'il soit. Et donc, une idée, ça correspondrait à une modification, une proposition de modification du design document qui rajouterait cette idée. Par exemple, j'ai cette idée, je voudrais que les formations se comportent comme une seule unité qui se déplace toute seule. Eh bien, j'envoie un patch pour le design document qui réécrit la page formation et qui explique comment les formations devraient fonctionner. Donc ce design document, pour pouvoir être utilisable comme ça, la piste qu'on a pour l'instant, c'est d'utiliser un système de type guidebook, si vous connaissez. Donc c'est des fichiers en markdown qui sont organisés de manière à pouvoir générer un livre au format HTML. Quand je dis livre, voilà, ça ressemble à une documentation comme vous pouvez en trouver beaucoup sur Internet. Format HTML, quelque chose de clair, de visuel, de lisible par n'importe qui, y compris les gens qui ne programment pas mais qui sont juste intéressés par le design du jeu. Et d'un autre côté, facile à modifier, pareil pour des personnes qui n'ont pas de connaissances très développées en programmation. Donc le Markdown, c'est facile à modifier. Le système d'organisation de Markdown est très facile à comprendre. Et le fait d'avoir donc un guidebook ou assimilé, c'est que ces fichiers sont sous gestion de version, sous Git, et donc on peut imaginer des branches, des designs alternatifs qui sont proposés au sein de l'équipe ou à l'extérieur sous forme de branches. Et à la fin, on a deux design documents en parallèle, un master qui correspond au jeu tel qu'il est, et un future qui correspond au jeu tel qu'on voudrait qu'il soit, avec, disons, une branche formation qui propose toutes les modifications à faire pour avoir des formations dans le jeu, etc. etc. Ça serait, voilà, c'est le format du design document qui permettrait d'arriver à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Maintenant, comment y arriver? Vous avez peut-être remarqué qu'on a déplacé le problème, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des patchs sous forme de code qui vont moisir sur notre bug tracker, on risque d'avoir des patchs sous forme de texte qui ne seront jamais intégrés au design document. Donc il y a plusieurs étapes si on veut que ça fonctionne. La première, ça va être de créer ce document et de le consolider à partir de tout ce qu'on a, c'est-à-dire le design document d'origine, les idées qu'on a eues au cours du temps, qu'on a acceptées et qu'on a mis en place, par exemple la capture des bâtiments ou les auras, les effets de proximité, qui n'ont jamais été documentés, mais qui sont dans le jeu et qui plaisent à tout le monde et qui font vraiment partie du jeu tel qu'on le conçoit. Donc il faut créer, il faut mettre à jour ces morceaux de design document qu'on a pour l'instant. Mettre à jour ce design document pour le mettre au niveau du jeu, donc, et ensuite commencer à accepter les patchs, et on va avoir une première phase où on va avoir beaucoup de patchs, et il va falloir se focaliser sur ceux qui consolident vraiment le design document et qui ne proposent pas de trucs trop révolutionnaires. Et ensuite, on va pouvoir se focaliser sur les nouveautés et les choses intéressantes qui pourraient être ajoutées au design document. Et l'idée, c'est d'avoir à terme quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de ça, qui connaît parfaitement notre design document et qui serait capable de remplir le rôle que remplissent actuellement les développeurs pour le dépôt de code, qui est de gérer et de relire et d'accepter les patchs qui sont proposés pour le dépôt de design. Et pour ça, pour toutes ces étapes, on a besoin donc des gens de l'équipe, évidemment, mais aussi de vous, de toute la communauté autour de 0AD, parce que peut-être que c'est un projet qui vous intéresse et vous aimeriez participer comme ça à l'amélioration du design document de 0AD, même si vous n'avez pas de connaissances poussées en programmation ou au niveau artistique. Si vous voulez
nous aider à finir ce jeu de stratégie sur lequel on a déjà réfléchi énormément, mais pour lequel il nous manque quelques briques précises qui nous permettraient de vraiment finir le jeu. Voilà, donc ça c'était ce dont je voulais parler dans cette conférence, vraiment la nouveauté, ce qu'on va faire là, et si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Mais sinon, je peux vous faire aussi la présentation habituelle de comment contribuer à 0AD et au jeu de manière, on va dire, standard, si ça vous intéresse et si le jeu vous fait un peu rêver. Au niveau artistique, tout se passe sur nos forums. On a une équipe renouvelée d'artistes dans l'équipe, puisqu'on a un artiste qui est là depuis très longtemps, qui a pris la tête du département artistique, et on a une nouvelle tête dans l'équipe et des contributeurs très actifs sur les forums qui rejoindront l'équipe dans pas trop longtemps, on l'espère. Et donc vous pouvez aller sur les forums, proposer des choses, discuter et contribuer donc dans tous les domaines, que ça soit 3D, 2D, le son. Bon, la musique, on a ce qu'il faut, mais les effets sonores peuvent clairement être améliorés dans le jeu. Et si vous avez un intérêt dans ce domaine-là, vous êtes les bienvenus. Au niveau artistique, ça passe aussi par du matériel promotionnel, même si bon, on a ce qu'il faut, mais si vous avez des suggestions, des propositions, vous êtes les bienvenus. Au niveau programmation, donc ça j'en ai parlé brièvement. L'idée, c'est que donc on a notre site qui tourne avec Track, si vous connaissez, donc sur lequel on a notre wiki avec plein de documentation technique et plein de détails sur comment contribuer au code. Vous pouvez prendre contact avec nous sur IRC, Zero AD Dev sur le réseau QuakeNet. On est là, on est très accueillants. Et ensuite, la programmation, donc comme c'est expliqué sur notre wiki, ça se passe sur Track, où on a tous les tickets en attente, donc tous les bugs qui ont été reportés, toutes les améliorations qu'il faudrait faire, qui sont là, qui n'attendent que vous. Et ensuite, les patchs qui vont sur Fabricator, où il y a des tests automatiques, des gens qui sont là pour relire vos patchs et donner leur avis. Et un processus d'intégration de code qui se rôde, puisque depuis qu'on a Fabricator, ça a changé beaucoup de choses dans notre façon de développer le jeu, mais on arrive à quelque chose qui tourne assez bien et qu'on va encore améliorer un peu avec des nouveautés et des choses qui manquent de formalisation qui vont être formalisées. Ça, c'est pour la programmation. Ensuite, vous pouvez participer de manière un peu... vous pouvez bidouiller autour du jeu en créant des mods et des cartes pour lesquels vous avez plein de guides sur le wiki, sur les forums. Vous arrivez à vous discuter, les gens vont vous dire très vite, vont vous guider vers comment créer des mods et des cartes pour 0AD. Et pour les cartes, on a un éditeur de cartes avec de plus en plus de fonctionnalités parce qu'on a un nouveau développeur qui se focalise dessus. Comme vous l'avez vu dans le trailer tout à l'heure, il y a un système pour faire des cinématiques dans l'éditeur de cartes qui nous sera vachement utile pour les campagnes solo. Donc il y a tous les outils qu'il faut pour créer des choses dans et autour de 0AD. Évidemment, si vous n'avez pas le temps, ça arrive, vous pouvez juste jouer au jeu, parler autour de vous, le découvrir. On est sur internet, donc notre site web relativement à jour, voilà, vous avez au moins toutes les informations nécessaires pour jouer. On est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et vous pouvez en parler autour de vous, n'ayez pas peur de faire peur aux gens en parlant de 0AD tout le temps. En général, au moment où vous arrivez enfin à faire jouer quelqu'un, la personne est impressionnée par la qualité du jeu et n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait jouer à ça pour exactement 0€. Je vous remercie pour votre attention, en espérant vous avoir donné envie de contribuer de près ou de loin, vous avoir intéressé aussi avec ces idées qu'on a par rapport à l'évolution du design du jeu. Et si vous avez donc des questions ou des retours, suggestions par rapport à ces idées autour du design, je suis à vous pour encore plus d'un quart d'heure. Si vous voulez juste jouer, rendez-vous demain, on a un atelier découverte tout l'après-midi
pour installer et commencer à jouer avec le jeu. Si vous connaissez déjà, il y a des LAN qui sont organisés avec des jeux libres, dont 0AD, tout le week-end. Merci. Oui. Pour les graphismes 3D, 2D, quel logiciel vous utilisez, quel format? Alors vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel. On travaille beaucoup avec Blender puisque c'est un outil libre, mais on a un artiste qui travaille avec 3ds Max, c'est ça. On utilise un format qui a un avantage et un inconvénient. C'est donc le format c'est Colada. L'avantage c'est que c'est un format qui est censé être un standard utilisable par tous. En fait, tous les logiciels de création 3D ont un moyen d'exporter au format Colada. Le problème, c'est que ça n'a pas pris. C'est-à-dire, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce format parce que ce n'est pas devenu de fait un standard. Donc, nous, on l'utilise, mais globalement, il n'est pas très connu. Mais dans tous les cas, tous les logiciels de création 3D peuvent exporter en Colada et on a des guides sur le wiki pour comment exporter en Colada depuis ces logiciels. Au niveau 2D, c'est juste PNG et donc bah, voilà, GIMP, Krita, ce que vous voulez. Oui. Tu parlais que vous cherchez une personne pour gérer le Zen Document en général. Est-ce qu'il y a, parce que je connais pas trop comment ça va lier derrière, est-ce qu'il y a des gens qui harmonisent au niveau de la direction artistique, au niveau du game design, est-ce que là, il y a des gens... Alors justement, au niveau du game design, on a personne. Et donc on essaie d'harmoniser en tant qu'équipe, mais il y a des divergences au sein de l'équipe et les gens ne sont pas d'accord. Et en général, on a affaire à prendre des décisions. Donc l'idée, ça va être de trouver quelqu'un qui sera là pour prendre les décisions, mais pour trouver cette personne, on va se mettre d'accord, pas tellement sur les idées de la personne, mais surtout sa capacité à faire la synthèse, on va dire, des montagnes de propositions que les joueurs peuvent parfois nous envoyer. Au niveau du reste, oui, la direction, enfin au niveau artistique, au niveau de la musique, de toute façon, on a un auteur-compositeur qui s'en occupe. Et au niveau graphisme, notre équipe a vraiment une certaine vision et une direction artistique très claire. Il y a des détails qui sont aussi disponibles sur les forums sur comment les choses sont faites en général. Et ensuite, si tu veux contribuer au niveau artistique, tu auras immédiatement des retours de gens de l'équipe qui te diront si ça va dans la bonne direction ou pas. Voilà. Pour la recherche du design manager, c'est un peu l'étape suivante, on va dire. On aimerait avoir une base solide avec ce design document pour pouvoir travailler sur le design à partir de quelque chose de clair et d'établi. Et ensuite, on aura une personne qui pourra gérer ça. On cherchera une personne qui pourra gérer ça. Moi, j'aurais aimé savoir comment ça se passe au niveau de l'équilibrage. Oui. Parce qu'au final, on a plusieurs factions, elles ont toutes des unités un petit peu différentes, oui, j'imagine. Et comment on fait pour que toutes les unités, toutes les factions aient finalement le même niveau de puissance? Alors, l'important, c'est de jouer et tester en permanence. Et de bien écouter le feedback des joueurs et des joueuses. Et donc, ça se fait un peu tout seul. Dans l'équipe de développement, on a plusieurs personnes qui sont vraiment intéressées par ça. Et qui jouent beaucoup, qui écoutent les gens qui jouent et qui affinent, on va dire, l'équilibrage au cours du temps. Mais ça fait aussi partie d'une des grosses raisons pour lesquelles on se considère en alpha. Parce qu'il suffit de rajouter un gros truc comme des formations et changer le système de combat. Et tout l'équilibrage qu'on a fait jusqu'à maintenant est à revoir. Mais globalement, ça, c'est quelque chose, même quand le jeu sera sorti, il y aura, comme pour les grands jeux propriétaires, ce qui s'appelle des patchs, mais du coup des versions qui amélioreront, qui modifieront légèrement l'équilibrage en fonction des retours qu'on aura. Ça fait partie des choses aussi qu'il faudra roder en bêta, en jouant et jouant en permanence pour affiner tout ça. Je me permets d'ajouter. Oui, alors, je vous présente. Je me permets d'ajouter que les joueurs eux-mêmes, des fois, nous proposent des patchs, disant tiens, j'ai trouvé ça, ça m'a l'air trop puissant, pas assez puissant, je propose un changement de stat. Et là, on en débat donc sur Fabricator, ensuite, soit ça passe, soit ça passe pas. Voilà, et c'est toujours pareil. Si c'est un petit changement de statistique, ça passe ou ça passe pas, si on est d'accord ou pas d'accord. C'est plus les gros changements qui changent énormément de choses qui ont tendance à bloquer. Les petits changements d'équilibrage, ça marche assez. Quel est le rôle et le statut de Wildfire?
Ah oui, alors ça, donc c'est un peu historique, c'est vu qu'au début c'était une équipe fermée, voilà, ils avaient une certaine, comment dire, une idée de, voilà, une équipe avec un nom, un logo, l'idée peut-être de faire d'autres jeux dans le futur. Donc on a gardé ça, donc ouais, il fallait organiser, c'est une association, alors pas loi 1901 parce qu'elle est basée aux États-Unis, mais c'est pareil, c'est une association à but non lucratif. Et voilà, c'est juste le nom du groupe de gens qui développe. C'est une entité juridique qui possède les droits et ce genre de choses aussi. Alors, je ne suis pas avocat, mais au niveau des droits, de toute façon, vu que tout est libre, enfin, comment dire, par exemple, les fichiers sources sont copyright Wildfire Games, en effet, et ensuite sous licence libre. Mais c'est en effet l'entité, la personne morale qui possède le code. Et cette association, elle appartient à quelqu'un ou... Je ne sais pas comment c'est, qu'est-ce que ça représente en fait. Est-ce que tous les développeurs sont de facto membres de cette association? Oui, oui. Oui, mais il n'y a pas d'adhésion à l'association, c'est juste, c'est juste une personne morale qui représente l'équipe de développement. Ça nous aide principalement pour tout ce qui est gestion des fonds. Qui sont aussi basés aux États-Unis. Oui, notre argent est géré par Software in the Public Interest, qui est une autre association à but non lucratif qui gère l'argent pour d'autres associations à but non lucratif dans le monde du logiciel libre. Ça veut dire que tous les dessins sont en CC BY SA de oui. Wildlife? Ou oui, c'est dessinateur? Ça. Non, Wildlife. Oui. Wildfire, pardon. Tous les gens qui proposent de l'art sur les forums doivent écrire un disclaimer, tout mon art est distribué au nom de Wildfire Games sous licence. D'accord. Oui. Niveau équipe de développement, graphiste et compagnie, vous êtes combien à peu près de personnes actives? On est entre 10 et 15. Voilà. Alors, il y a, disons, 3 personnes qui font, 3 ou 4 personnes qui font surtout le management, donc un trésorier, un administrateur, un sysadmin pour le site web, pour le serveur, pardon, un webmaster. Et ensuite, sur le développement du jeu, il y a 3 artistes très actifs dans l'équipe, plus 2. Et les développeurs, pareil, genre 6 ou 7 plus 2 ou 3 en fonction des disponibilités de chacun. Et en plein temps, ça représente combien de personnes? En plein temps. C'est-à-dire les 15 personnes, elles ne sont pas plein temps. C'est ah non, tout le monde fait ça sur son temps libre. À peu près. En, sous deux. En plein temps, en plein moi temps, je dirais que. 4 peut-être même un peu moins, ça dépend des périodes. Et ça a fluctué beaucoup au fil du temps. Si on regarde l'historique des contributeurs, il y avait plus. Centaines, je pense. En ce moment, franchement, je dirais 4. Ouais. Possible. Oui. Au niveau du moteur du jeu, vous avez dit qu'il y avait une partie en C++ et une autre en JavaScript. C++, je suppose que c'est pour le graphique. Hein. Alors, non, vraiment, le moteur est entièrement C++. Ouais. Et donc oui, c'est les graphismes, mais aussi la base du jeu. Je sais pas moi, les positions des unités, enfin voilà, tout ce qui peut aller de fait avec les graphismes et l'interface clavier souris, tout ça. Et ensuite, dans le moteur, on a le moteur de JavaScript de Mozilla Firefox, qui nous permet donc d'interpréter du JavaScript. Et la plupart du gameplay, donc voilà, il y a toute la logique du jeu est écrite en JavaScript et ça permet à des modders de modifier ça sans avoir à recompiler le jeu. Sans compter que voilà, on bénéficie de toutes les optimisations de performance que Mozilla fait sur son moteur JavaScript, ce qui est appréciable parce que c'est par exemple beaucoup plus rapide que dans l'interpréteur Python. Ça, c'est installé sur le client, c'est pas, oui, c'est ça. Pas un browser internet. Non, c'est... Ça fait longtemps que vous utilisez JavaScript ou pas? Oui, ça fait 10 ans.
Bon, il faudrait vérifier la date exacte. On a vérifié, mais vraiment, ça a toujours été JavaScript. Et ça se il n'y a jamais eu, enfin, dans le jeu vidéo, souvent, il y a l'UA qui est... Oui, on nous en... Mais... Il y a un poste dans nos forums qui débat de l'UA ou JavaScript. Je crois que je dois dater de 2006-2007. Il me semble qu'à l'époque, l'UA n'était pas encore très développée comme solution scripting. Ouais. En tout cas, c'était les arguments qui étaient... Moi, j'étais pas très... Voilà, oui, bon, il y a eu des discussions à l'époque. Nous, on était ni l'un ni l'autre là, déjà. Et aujourd'hui, on a trop de code JavaScript. On est à plus de 90 000 lignes de code. Ouais. Et puis, vraiment, on n'a aucune raison de changer, quoi. On est très bien. Et Mozilla fait un boulot incroyable sur le moteur JavaScript, entre autres. Donc on a quelque chose de super robuste et... Oui. Pour toute la partie artistique, vous êtes en CC by SA. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser des ressources artistiques qui viennent d'autres projets? Oui. D'autres projets, pas trop. On a beaucoup de trucs qui sont venus de Open Game Art. Ouais. Mais pareil, on fait attention. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour gérer les héritages de licences. Alors, je ne suis pas trop au courant de ça. Je sais que, essentiellement, tout a été dès le départ, CC by SA, presque tout est créé pour le jeu. La question se pose un peu sur les textures, en fait. Là, on sait pas quand on va utiliser des choses qui ont déjà été faites ailleurs. On a eu au début, quand le projet n'était pas open source, une licence d'utilisation par... entreprise aux États-Unis qui nous a permis de les relicencier pour notre utilisation seulement et les utiliser au sein du GPL global, mais dans l'ensemble, on s'assure que tout est CC by SA et qu'il n'y a pas de complexité liée à ça. En général, pour un truc précis, un fichier précis par exemple qui vient d'ailleurs, on précise tout dans le message de commit. D'accord, ouais, vous mettez donc, ça dans le message du commit. Donc c'est lié aux métadonnées du fichier. Après, on n'a pas par exemple dans le dépôt un fichier où il y a les listes de tout, comme on a par exemple pour le code. J'avoue que moi j'ai jamais fait un seul commit artistique de ma vie dans le projet, mais je peux demander plus de détails. Pour communiquer l'équipe, comment vous fonctionnez? Pardon? La communication dans l'équipe, oui. Comment ça fonctionne? Vous réunissez physiquement? Alors, non. Alors, on ne se réunit pas physiquement, non, puisqu'on est un peu partout dans le monde. On travaille essentiellement sur les forums. On a une partie non accessible juste pour nous. C'est essentiellement là que ça se passe, parce que on utilise d'autres trucs, par exemple IRC, mais c'est surtout pour les programmeurs. On avait des meetings réguliers sur IRC qui avaient des défauts, par exemple celui de ne réunir que les programmeurs. Et il faudrait trouver un autre moyen d'avoir des réunions virtuelles comme ça régulières. Mais pour l'instant, voilà, on communique entièrement sur les forums. Oui, toujours. Oui, parce qu'en termes de répartition, vous êtes quoi, Amérique du Nord, Europe? C'est ça, oui, à une époque c'était extrêmement Amérique du Nord, là c'est extrêmement Europe, mais on a donc des gens en Amérique du Nord, on a une personne au Maghreb, une personne en Russie, On a deux en Russie. On a une et demie quoi, Alexander il est plus actif, on avait un Néo-Zélandais mais on ne l'a plus. Ça enlève une partie du monde. Voilà, on avait un Sud-Américain qui est plus actif. Et en Europe, c'est vraiment partout. Hein. Ouais, ça a beaucoup varié au fil du temps, mais globalement, on est. En ce moment, c'est très européen, mais de partout en Europe. Trois Français, deux Espagnols. Non, quatre Français, deux Espagnols, trois Anglais, Britanniques. Deux Belges, deux Néerlandais, un Suédois, trois Allemands. Et il y en a peut-être deux en Russie, mais c'est une vitesse. Toulouse, je sais pas. Toulouse, non. Un accent, je m'en doutais. Oui.
aussi la durée moyenne d'une partie en 1 contre 1 30 minutes. Contre un débutant. Je dirais que c'est même en 1 contre 1, peut-être plutôt 25 minutes. Oui, c'est ça, bah après c'est la moyenne. Ça va, enfin, si il y a un rush en début de partie, c'est fini quoi. Le jeu dans sa mouture, actuelle, je le joue assez vite, franchement. 25 ouais. minutes. C'est le rythme à Jeff of Empire 2, au bout d'une demi-heure, on vient de commencer à attaquer. Pas vraiment celui qu'on a adopté. Mais ça peut changer du jour au lendemain. Oui, bah c'est pareil. Disons qu'on a beaucoup de joueurs qui viennent d'un. Qui sont d'une génération qui vient plus de, disons, StarCraft 2 ou tout ça, et pour qui déjà 20 minutes c'est très long. On fait un peu entre deux. Le multijoueur est orienté StarCraft, on espère contenter les joueurs solo avec les campagnes quand on essaie de contrat. Plutôt. Au final, bon, le jeu contre l'IA c'est marrant, mais c'est vrai que ça reste limité au blanc. C'est souvent la même chose. Une question qui n'a rien à voir avec le design. Au tout début, tu as listé les civilisations. Oui. La toute dernière, elle vient d'où? Les Morias. Les Morias. C'est Inde. C'est ceux qui ont combattu Alexandre le Grand. D'accord. Ashoka. Est-ce que c'est un peu le jeu, est-ce que c'est un peu le même principe que civilisation, c'est temps ou bien juste un... Non, c'est, alors c'est vraiment plus proche de Age of Empires, c'est-à-dire c'est pas du tour par tour, c'est pas c'est d'abord le combat avant le développement économique. Mais c'est pas un des objectifs de développer, de faire une civilisation. Non. Je crois que quand vous utilisez une civilisation, c'est pour ça. Voilà. Sachant qu'on peut le modder pour être. Après voilà, c'est modable. Bon, la plupart des mécaniques qui sont très jeux de stratégie temps réel. Tout ça, c'est dans la partie JavaScript modable, donc c'est très facile. L'exploration des maps, etc. Alors ça, c'est bon, la map est relativement petite, hein, mais en effet, au début, on est dans le brouillard, on voit que notre base, on peut explorer, et si on n'a pas une unité pas loin, on ne peut pas voir les modifications, les nouvelles choses que les ennemis font. Voilà, après au niveau de la diplomatie, les alliés ne voient pas par défaut ce que leurs alliés voient. Il faut rechercher une technologie pour avoir ça, donc ça donne un intérêt stratégique. Et voilà, s'il n'y a plus de questions, je pense que c'est l'heure d'aller manger. Si, merci.